Jérôme, Adrien et madame et monsieur tout le monde, bonjour, rebonjour, c'est reparti renouveau pour la re-rentrée. Et justement, pour parler de la rentrée, on est venu se faire assister à un cours. Oh, Michel, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui cloche. Alors, nous sommes ici à un cours. Oui, un cours, oui. Vous êtes d'un cours? Oui, oui, j'habite juste ici. Je suis un Courtois. Vous êtes un Courtois? Un Courtois. C'est pour ça que vous avez répondu très poliment, forcément. Exactement. Hein? Quand est-ce que ça commence? Le cours? Oui, là. Je sais pas. On a vu aujourd'hui, vu que c'est la rentrée. C'est ici, hein? Ouais. Un cours ou c'est plusieurs? Un cours. Je sais pas si on doit frapper pour rentrer dans la maison comme là, mais... C'est le maison. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Est-ce que je peux vous poser une petite question? On n'a pas besoin pour venir à un cours, d'avoir, je sais pas, un bic, un carnet, ou un cartable. Pas spécialement, non. Non. Même pour la rentrée. Ça, renseignez-vous à l'école. Mais à l'école, je pense que oui, il faudra bien un bic et un cahier. Et un cours, on dit... Un... Non. Ah, voilà. On dit un cours, mais c'est lequel? Hein? Oh ben, un cours sur pattes. Oh non, madame. Vous savez que c'est le moment de la rentrée, hein? Oui. Oui? Vous êtes pour de la rentrée, vous? Oui, tout à fait. Je veux dire la rentrée, la voiture, hein, parce que c'est le moment, il fait... Il faut la rentrer, vous la laissez pas dehors, la voiture? Non. Non, normalement, non. Hein? Je croyais que vous parliez de la rentrée scolaire, moi. Ah non, la rentrée de la voiture. Parce que c'est justement maintenant, la rentrée de la voiture. Ah, mais c'est juste, c'est la rentrée. C'est pas la même. Vous êtes déjà rentrée? Oui. Je suis sortie, là, vraiment. Mais non, mais c'est parce que je vais chez le médecin. Ça tombe bien, hein. Ça, on prolonge les vacances, hein. Oui, on va dire ça. Ah, filou, comment est-ce qu'on dit en morse le nom de la ville ici? Oula, on va le dire en français plutôt qu'en morse, hein. Non, on dit bip, hein. Bip, et qu'on bip? Bip, c'est un cours. Ah, ouais. Un cours, la maladie d'amour dans le cœur des enfants qui n'aiment pas quand l'école reprend. C'est pas comme un style, Michel, t'as jamais été à l'école, hein? On peut bien rentrer, madame? Vous voulez bien? Ah, voilà, rentrer, justement. On est juste là où il faut pour la rentrée. Oui, en effet. On est où ici? Un cours, oui, un cours. Et un cours pour la rentrée? Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, puisque c'est sur la cour. Dans la cour, là. Alors, Jérôme et Adrien, on regrette de ne pas avoir été à l'école, hein? Hein? Les malins avec leur cours de rien. Vous êtes d'un cours, là? Oui. Vous n'êtes pas de passage? Non. Non, non. Pour un court moment? Non, je suis ici depuis toujours. Pour un long moment? Oui. J'espère, le plus long possible. Ah, oui? Est-ce que vous savez quand ça commence, ici? Ah, ici, il n'y a pas d'école, là, c'est à reprouver. Ah, donc il n'y a pas un cours ici? Non, il n'y a pas d'école. Mais un cours, il n'y en a pas? Il n'y en a pas, non. Donc il n'y en a pas ici. Tu vois, ça, c'est quand même dommage, hein. Oui. Les enfants détestent la rentrée. D'ailleurs, Isbert, c'est pas moi qui le dis. Non. Oui, eh bien voilà, c'est déjà la fin du premier micro-terroir de cette troisième saison. C'est reparti, hein. Ça y est, on y va. Avec Michel, on est parti pour retourner dans la Belgique. On va tourner. On espère que la chance tournera avec nous. Oh, Michel, un billet de 50 euros. C'est bien parti, hein. Voilà, Freddy Toubon et Michel.